في جو من الإثارة والتشويق سنعيش إثارة من نوع خاص في مواجهة ثنائية بين لاعب وحارس. العودة القوية للمنتخب الكونغولي الأخطاء الكبيرة يتحمل مسؤولية كبيرة الحارس ديارة كان متألقا لكن اليوم يبدو أنه لم يكن يعيش المباراة بكل جوارحه والضربة الأولى ضربة أولى لفائدة منتخب الكونغو سيمبا عميد منتخب الكونغو أول ضربة ترجيحية لسيمبا وللكونغو أمام إبراهيم يسدد ويسجل هدف Second but pour le Burkina, inscrit par Oumar Barro à la 53e. Sili Napon, le troisième but pour le Burkina à la 56e. Le Congo revient à 3 buts à 1 grâce à Mungongo, puis 4-1 avec un but de Talé à la 86e minute. Et puis là, les 5 dernières minutes de folie avec 3 buts pour le Congo. Kazongo à la 88e, Tondelua à la 90e et Mungongo une nouvelle fois à la 91e. Premier penalty pour le Burkina Faso. Après celui inscrit par Simba, il est arrêté par Mayala. 1-0 toujours pour la République démocratique du Congo. Séance de tir au but pour la troisième place. C'est Doutra Traoré qui n'arrive pas à tromper Mayala. Oh, il doit avoir un mental énorme là maintenant les Congolais, revenir de 4-1 comme ça, 4 partout. Limite on peut penser que mentalement c'est l'équipe la plus forte qui va gagner cette médaille de bronze. Ça, s'il la laisse filer, les Burkinabés pourront pleurer jusqu'à la fin de leur jour parce que c'est pas possible, ça arrive une fois dans l'histoire ça. Le deuxième pénalty réussi pour les Congolais, réussi par Evanga Emeka. Yolo Watunda qui vient d'applaudir mais il avait baissé les yeux, il n'avait pas regardé le tir au but. Alors j'ai l'impression que c'est facile qu'il s'y regarde, ce qui n'avait pas été le cas lors des pénaltys précédents, que ce soit dans le tour du jeu ou en fin de match dans ce tournoi. C'est Germain Salou à présent qui va tirer le deuxième pénalty pour le Burkina Faso. Ça fait 2-0 pour l'instant. Deuxième pénalty pour le Burkina Faso après celui raté par Sédou Traoré. C'est Germain Salou qui se présente face à Mpouni Mayala. Ah, il a baissé les yeux, quand même, il est poussé. Moins de superstition quand même que pendant les quarts de finale ou les demi-finales. Il n'y a pas eu de pénalty. Germain Salou qui réussit, 2-1, l'espoir demeure pour les étalons. Il y a eu tellement de retournements de situation déjà, que là vraiment on ne se prononcera plus que quand ce sera vraiment terminé, Philippe. Bien qu'on avait flairé quand même dans un des quarts d'heure un possible retour des Congolais, mais de là à imaginer un tel scénario à suspense. Autour de Mundalia Kizombe pour le Congo. Il va tirer ce troisième pénalty, les Congolais qui mènent deux tirs au but à 1. Ils ont un pénalty d'avance. Il est là aussi réussi. Les Congolais ne semblent pas vouloir en rater un seul. Il va falloir un exploit d'Ibrahim Diarra. Sinon, c'est le gardien du Sous. N'arrête pas de ballon. Ça va être la troisième place pour le Congo. Troisième pénalty pour le Burkina Faso, il va être tiré par Magan Diabaté. Pour obtenir cette fameuse troisième place. Ça aurait été long, ben j'ai décidé. Hein. Magan Diabaté face à Mayala. Troisième pénalty. Et il est raté là encore, l'arrêt de Mayala, on en reste à 3-1. Voilà. Il reste deux pénaltys de chaque côté. Pénalty décisif maintenant et là je crois sincèrement que cette fois-ci, à moins d'être vraiment sincèrement croyant pour le Burkina, la médaille de bronze va être envoyée ici. Roger Itoto, c'est fou de joie à moins d'un énorme retournement de situation cette fois-ci. Normalement les Congolais, là c'est quasiment fait, ont gagné leur médaille de bronze et on pourra dire que ce sont vraiment des garçons qui ne renoncent jamais parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme, on en perd la voix. Quatrième pénalty pour les Congolais.
s'il le réussit, le Congo sera troisième. Sinon on continue, il le met, le Congo est donc troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Quatrième pénalty réussi par Kibonge Selengue. Oh là, il y a des triples sauts, des saltos arrière là de joie, c'était dit, hein, une fois qu'ils sont revenus à 4 partout, plus rien ne pouvait leur arriver dans cette séance de tir au but. Le masque, la terrible déception de Philippe Troussier, je crois que ça, pour un entraîneur, c'est la pire chose qui puisse arriver, mener 4-1 à quelques instants de la fin, c'est rejoindre à 4 partout et perdre au tir au but. Quelle terrible déception pour tout le peuple du Burkina Faso. Et après sa Coupe d'Afrique des Nations gagné par le passé, selon le Congo Kinshasa, le Congo, le nouveau Congo qui a changé de régime il y a un peu plus d'un an, qui gagne. Regardez la joie de Roger Itoto et des siens avec cette danse improvisée. Quel formidable retour et quelle fête ça va être du côté de Kinshasa. Superbes images. Les Congolais qui font la fête sur le stade du 4 août après leur victoire au tir au but lors de cette finale pour la troisième place. 4 partout à l'issue du temps réglementaire. Je crois que si vous avez vu ces images, la fin du match, les 3 buts marqués en 3 minutes et puis les tirs au but, on ne peut même pas vous vendre ce match Afrique du Sud-Égypte. La grande finale, vous aurez forcément envie de la regarder parce que c'est pas tous les jours, Philippe, qu'on voit un match comme ça. C'est clair, on s'est régalé durant ces 2 heures passées ensemble. Pour cette finale, pour la troisième place, et on attend la même qualité de spectacle demain pour la finale entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ce sera là encore en direct à partir de 16h55. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. En tout cas, la troisième place, elle, est prise par les Congolais après un superbe match, 4 partout à l'issue du temps réglementaire et une victoire au tir au but. Pour les Congolais, on se retrouve donc demain 16h55 pour la grande finale Afrique du Sud, Égypte. À demain. Pour les Congolais, réussi par Ezanga Emeka. Yolo Watunda qui vient d'applaudir, mais il avait baissé les yeux, il n'avait pas regardé le tir au but. Alors j'ai l'impression que c'est précis qu'il regarde, ce qui n'avait pas été le cas lors des pénalties précédentes, que ce soit dans le cours du jeu ou en fin de match. Dans ce tournoi, c'est Germain Salou à présent qui va tirer le deuxième pénalty pour le Burkina Faso. Ça fait 2-0 pour l'instant. Deuxième pénalty pour le Burkina Faso après celui raté par Sédou Traoré. C'est Germain Salou qui se présente face à Mpouni Mayala. Ah, il a baissé les yeux, il est poussé. Moins de superstition quand même que pendant les quarts de finale, les demi-finales. Il n'y a pas eu de pénalty. Germain Salou qui réussit, 2-1, l'espoir demeure pour les étalons. Il y a eu tellement de retournements de situation déjà, que là vraiment on ne se prononcera plus que quand ce sera vraiment terminé, Philippe. Bien qu'on avait flairé quand même dans un quart d'heure, possible retour. في مواجهة ثنائية بين لاعب وحارس. والعودة القوية للمنتخب الكونغولي الأخطاء الكبيرة يتحمل مسؤولية كبيرة الحارس ديارة كان متألقا لكن اليوم يبدو أنه لم يكن يعيش المباراة بكل جوارحه والضربة الأولى. الضربة الأولى لفائدة منتخب الكونغو. سيمبا عميد منتخب الكونغو اول ضربه ترجيحيه لسيمبا وللكونغو امام ابراهيم يسدد ويسجل هدف Second but pour le Burkina, inscrit par Oumar Barrow à la 53e. Kylina Pont, le troisième but pour le Burkina à la 56e. Le Congo revient à 3-1 grâce à Mungongo, puis 4-1 avec un but de Talé à la 86e minute. Et puis là, les 5 dernières minutes de folie avec 3 buts pour le Congo. Kazongo à la 88e, Tondelua à la 90e et Mungongo une nouvelle fois à la 91e. Premier pénalty pour le Burkina Faso. Après celui inscrit par Simba, il est arrêté par Mayala.
1-0 toujours pour la République démocratique du Congo. Séance de tir au but pour la troisième place. C'est Doud Traoré qui n'arrive pas à tromper Mayala. Oh, ils doivent avoir un mental énorme là maintenant les Congolais, revenir de 4-1 comme ça, 4 partout. À la limite, on peut penser que mentalement, c'est l'équipe la plus forte qui va gagner cette médaille de bronze. Ça, s'il la laisse filer, les Burkinabés pourront pleurer jusqu'à la fin de leur jour, parce que c'est pas possible. Ça arrive une fois dans l'histoire, ça. Le deuxième pénalty réussi. Donc bien passé face à Mayala. Troisième pénalty. Et il a raté là encore l'arrêt de Mayala. On en reste à 3-1. Voilà. Il reste deux pénaltys de chaque côté. Pénalty décisif maintenant. Et là, je crois sincèrement que cette fois-ci, à moins d'être vraiment sincèrement croyant pour le Burkina, la médaille de bronze va être envoyée ici. Roger Itoto, qui est fou de joie, à moins d'un énorme retournement de situation. Cette fois-ci, normalement, les Congolais, là, c'est quasiment fait, ont gagné leur médaille de bronze. Et on pourra dire que ce sont vraiment des garçons qui ne renoncent jamais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. On en perd la voix. Quatrième pénalty pour les Congolais. S'il le réussit, le Congo sera troisième. Sinon, on continue, il le met, le Congo est donc troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Quatrième pénalty réussi par Kibonge Selenge. Voilà, il y a des triples sauts, des saltos arrière, là, de joie, c'était dit, hein, une fois qu'ils ont des Congolais. Et de là, imaginez un tel scénario à suspense. Autour de Mundalia Kizombe pour le Congo, il va tirer ce troisième pénalty. Les Congolais qui mènent deux tirs au but à un. Ils ont un pénalty d'avance. Il est là aussi réussi. Les Congolais ne semblent pas vouloir en rater un seul. Il va falloir un exploit d'Ibrahim Diarra. Sinon, c'est le gardien du Sousse. Il n'arrête pas de ballon. Ça va être la troisième place pour le Congo. Troisième pénalty pour le Burkina Faso, il va être tiré par Magan Diabaté. Pour obtenir cette fameuse troisième place. Ça aurait été long, ben, décidé. Hein.